Chanel, TV, Chanel, Kitoko. Imagine I own a Monday and Chay Balilango Makasi. Chanel, TV, Nangai, Banakini, Vasepeli Makasi. Ba Jaspora, Bana Congo. Bosunga, Chanel, TV, Ekendeli Bosso. Chanel Munene, Chanel, TV, Chanel Munene. Imagine I own a Monday and Chay Balilango Makasi. Chanel, TV, Nangai, Bana Congo, Vasepeli Makasi. Banakini, Chen Oizapuna Bino. Dans la image, on va par-ci par-là. On a ce pays qui fort. Bana Congo, Bana Poto, Bana Diaspora. Vous abonnez à la chaîne Abino, Génor TV. Mingi Rolo Bézati. Boki, Eza Génor TV. Vous abonnez massivement. Vous soutenir Génor TV. Vous soutenir sous Bana Diabiso, Franck Ojivadol, il est pour Naba Initiative. Génor TV. Tous en plateau ya Génor TV na émission Tolobela yango to ele susu na moya lelopo na kolobela ngo comme d'habitude na bande konyeso ba mesana kolanda biso tant tolobela kango na pesibino merci na soutien au bozo lembate ko memela biso na musalo tozo sala bande konyeso baza ko partager ba lien ya ba émission na biso. Nazopesabino vraiment merci, ça prouve que toza bandeko. Nous n'avons que la RDC compatrie. Ba mususu nzamba pesa bango Rwanda. Baza fier na kozala ba Rwandais. Ba mususu nzamba pesa bango Angola. Baza pe fier na kozala ba Angolais. Ba mususu nzamba pesa bango Congo Brazza. Ba mususu nzamba pesa bango pe Burundi. Me biso ngai Frank. Na yonde kozo tala ngai. Tozana mabele mususu tonzamba pesa biso. Mabelo nzamba pesa biso eza Congo la RDC. Donc biso toza ba congolais. Mboka oyo nde mboka o ba koko na biso, batikela biso, tata Simo Kimbangu. Tata Lumumba, tata Kasavubu, Kondo Mobutu, Etienne Tshisekedi, bango nyonso wana na baona tangi ba kombote, batikela biso Congo lokwa héritage. E biso pe tokotikela ngo pe bakitani na biso. Le quoi héritage, c'est-à-dire l'héritage commun pour les Congolais, c'est le territoire national de la RDC. C'est le Congo, c'est ça notre héritage commun. Naebi mutunyo soko za lana héritage nae parce que ta pauvre za pena moyi lokwa kutike la bana. Ozomona ata bébé oya uto bota malelo azana patrimoine. Oui. Donc mutunyo so azana patrimoine nae, azana héritage osoga kufi atike libana nae. Mutunyo soit taza pauvre, arotika ta chemise. C'est comme ça que biso, héritage commun, c'est le Congo. Okozana mituka, okozana mapango, okozalana ndio nyonso yokozala nango, eza héritage na yo, eza patrimoine na yo. Soko kufi, bana nonde bako hérité yango. Mais sikoyo biso nyonso na ngai na yo, biso nyonso, héritage na biso commun. Le patrimoine commun au bisous sous un angoba congolais nyoso, c'est la RDC. Yango toujours la laté, pongeza na misote. Tango, mboka na biso, eza menacé. De temps en temps, toujours yako koutana, pona ko solola. Yango to yaka chaque jour, bomo na mokolo moko le kite sans que toza lawa. Loba so toujours bela, ou soit toujours pena empêchement et makasi. Mais soki yango ezate. Chaque jour, beaucoup mon abisso a un plateau parce qu'ils ont rendez-vous nabisso nabino. Tokuta naka, to sololaka. Nazo pesa merci na bandeko nyonso yo. Batinde la rabisso pe azumo il faut quelque part événement moko le quelque part na mboko ya zali a filmer yango azumo vidéo moko monique est vraiment importante pour nabisso pour na Congo pour na ba congolais. Atinde libisso en privé azumo il faut quelque part a bengi biso alumino de Kofrank naza na mboka tel. Tala na mboko na zali événement moko auto le kalika moko ezabo 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 e le quoi binonde boza atitré pona koloba kolobela yango yango na bengi yo pona pesa yo masolo comme ça yo lobela ngo parce que émission na biso to benga kango to lobela yango donc eza plateau ya to lobela yango ça dit to loba kama kamo nyonso o eza ko intéresser ba congolais
tolobaka makambo nyonso oyo eza lié na Congo d'abord malgré tout touchaka pe ba point mususu au niveau international mais d'abord le Congo d'abord voilà donc ndena sans wana auto eli susu na plateau ya tolobela yango pona kolobela yango bande konyoso balanda biso souvent na ba radio logo bozo mona biso te principalement na radio Sanga parce que c'est la radio partenaire ya Genoc TV officielle nandeko Victor na Jeff Kingoma bangonyoso na pesi bango mbote alors pona bande konyoso bazo landa biso na ba radio o bachaka ba audio ya ba emission na biso soki bozana posa ya okota en contact na Genoc TV eza pas cité parce que nous sommes là pour vous. Ba info mususu topé sakaye utaka bipai na bipai. Mususu utaka Bunia, mususu Mbujimayi, mususu Kananga, Chikapa, Kalemi. E utaka bipai na bipai. Ezaka bino mokonde parce que nenge naza wa naza partout et naza omniprésente. Naza omniprésente lelo naza ou bien de naza wa présentement. Après na boke na Kalemi, beaucoup tinga na Kalemi, boke na Bunia, beaucoup tinga. Non, non, nazaka ngamoko. Mais si vous êtes congolais, on a considéré le quoi, partenaire à Genoc TV. Partenaire à Genoc TV. Si vous avez une info, pam, la moko. Moutaliboso, à l'okin de Kofrank, pour nous continuer à faire une info. Et puis, quand vous payez, vous avez un balamo, vous avez balancé. Vous avez un balamo, d'abord, utilité, total importance, et quoi porter nini, na société. Et puis, vous avez un balamo, vous avez authenticité, na yango. Si tout le monde qui est réuni, réuni, on travaille ça pour nous faire ça. Bande Konabiso, ba Congolais, c'est ça le travail que nous faisons. Alors pour la bande de ba radio, benganga na 82 42 47 635. 082 42 47 635. 097 00 44 661. 671, pardon. Je disais 097. 00 44 671 097 00 44 671. Wana ba numéro na biso eza na WhatsApp ba numéro nyonso wana soko bengi na WhatsApp obi okomi soko bengi omonito yambite okokomata message otikeli biso comme ça tokotanga yango ne vous a fait pas ta soki to répondre si placé. Mais tokotanga kaka message to finir kana kotanga ngo kaka tokotanga ngo parce que nous avons le temps. Auto vendre vraiment pour nous tanga ba message ya bandeko ba tindaka 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 ou ba pesa kabiso ba idée ba suggestion ou pe ba critique kabiso pe positivement ba lui non de koko ba kiselo hotel na moni eza boyoko sala ngona sans tel tout ça et loko soko sala kango boilingeza la pena bien nyonso na tozwa kayango donc j'ai le temps ou na vendre vraiment pour nous tanga ba message ya ba téléspectateurs na ngai nyonso ou ba landaka ngai ou ba pesa ngaba conseil ou pe bazo contribuer na ba façon belé ba ba conseil. Ba suggestion nyonso wana nazana tant vraiment on attend akatanga kayango. Merci beaucoup na fidélité na bino na Genoc TV. Mais pour le moment Joalien Kabola Joalien ya émission yo Kabola na osepela eza façon na yo ya ko soutenir ngai liker ouais bozota la biso ebele mais aimer vidéo do digiga place wana penza. Donner la place où on n'a pas aimé vidéo. Je crois que ça a mis au plaisir. Mais puis pour Dodiki, nous avons un peu de Dodiki. Si vous avez un abonné à Genoc TV, Dodika na bouton, il y a s'abonner. Finaka na bouton, on a s'abonner. Comme ça, on s'abonne à Genoc TV. Comme ça, on est membre de Genoc TV, une grande famille de Genoc TV. Union européenne. Surprenante levée des sanctions contre Kalev et Chadari. Ndemo makambo yo toko meka ko analyser parce que tant on attend le sujet na monique et rafraîchir mémoire na ngai et puis on a lingaki pe na rafraîchir mémoire ya ba congolais. Émission na zo sala objectif na ngoza po na ko rafraîchir mémoire esprit ya ba congolais. Ba congolais lokola toza ka frapper tant on a zo ba congolais c'est d'une manière générale. Même nga mokopé na za kongomani, c'est-à-dire biso ba congolais maladie oyé beta ka biso, eza maladie ya amnésie, c'est-à-dire nous sommes trop amnésiques.
nous sommes frappés na amnésie nde maladie na biso auto miye baka toza conscient ki toza la kaba amnésie bi e amnésique biso prévané toza la ki toti ko zala awa événement oyo et défrayé ki chronique ezala ki ya interpellation ya Salomo Kalonda batu ba commenter yango na ba TikTok partout Salomo Kalonda. Non, avant Salomo Kalonda, c'était Mike Mukebayi. Voilà. Donc, il y a une mission de Mike Mukebayi na Daniel Safou. Et ça, au même moment, na marche au Basalaki. Marche, on n'a pas marche. Événement, il marche, on a marche. Il y a opposant. Marche, on a malamoko et des frais chroniques. Na ba TikTok, ba réseaux sociaux, nous sommes en marche, marche, ba ou baza contre, ba ou baza pour. Rrr. Tant que Mukebayi ba sale mission. Bakangi Mukebayi, Daniel Safou attaqué Baluba. Tobosani marche. Mukebayi bakangi ye, ba musuba lobi no, eza arrestation arbitraire. Droit na eza respecté te, ba musuba lobi oui, eza respecté, ba propos na ye, eza ba propos désobligeant. Débat e bandi wana. Et deux jours après, ya, bakangi Salomo Escadela. Tobosani marche. Tobosani interpellation Mukebayi. Tobandi ya Salomo Escadela. Salomo Escadela bakangi ye. Après wana ye. Mbalamoko bakeko sala perquisition na ba résidence ya Salomo Escadela na Moïse Katumbi na quelques cadres ya PPRD. Allez, to bosani nyos to bandis koma kama perquisition. Débat na ba plateau perquisition. To bosani marche. To bosani interpellation ya Mukebayi. Mukebayi za na prison na zo beta masolo Mukebayi susu. C'est ça le congolais. Na zo be est-ce qu'on attend na plateau mokwa TV. Ozomo na susu ba journaliste pro ensemble. Est-ce que vous avez sur le solo que vous avez émission, vous invité à c'est déjà révolu. C'est déjà passé. C'est ça les Congolais, c'est fini. Mukebayi a zonyo comme Yemoko na prison. Mukebayi. Daniel Safou, Azali Banda, Bakange Munoko. Louis France, Bakange Munoko. Mukebayi na prison. Katumbi, Azali Banda. Batu nyonso muke babanda kubundela mingi bazali banda muke bayi azana prison yango il faut kokanga ka munoko ubeso ko zoleka c'est tout biso batu ya ba media ne tozolo babo parce que tout na aner banani balanda ka biso cour et tribunaux balanda ka biso partout balanda bi balanda ka biso balandaka balandaka me yoko be bato bazolanda ote soko za moto leka na ba media il faut yebelo ko zoloba. Il faut y ba nino zo bimisa na munoko na yo. Il faut réfléchir avant koloba. Parce que media o toza nango eza blague te. On nous suit partout. Okoloba ke loko juste ka moko pamba pa on me retrouver 10 ans en prison. 5 ans en prison. Moi sina bana batika libanda. Carrière na o politique EKI. Imaginez ce que yo 6 mois il y a élection. O etikali pour organiser ba élection. Toke na ba élection. 6 mois, c'est ni à organiser ba élection. Donc, dans le mois de décembre, si qu'on a minito Mukebayi, aza na prison. Jean-Marc Kabound, aza na prison. Vous comprenez? Er ni si qu'on a postulé, er ni si qu'on a constitué dossier n'a pas postulé, er ni ni pe a aucun déco sa la campagne n'a yé. Pour pas voter comme député. Ozomona ndenge nini batu musu ba itufa carrière na bango. Siko yebisa ngai courage muke bazalaki na ngopo na koloba ta musu ya itango zaki député provincial. Parti na bazo pesa e moi poa bazo pesa moi valeur moi honneur parce que za député provincial. Babi gaza cadre ya ensemble. Na minute siko za prisonnier. Aza prisonnier na minute yo. Siko yo élection a okendete. Ba électeur na ba na ozela na rendez-vous. Bagomona été bako élire été azo croupir na prison likambo nae eleki nango na passé simple on n'en parle même plus na bato bazali na chalere Mukebayi eto kolanda Mukebayi biso to kokufa pona Mukebayi bango nyonso bakangi minoko Fabien Mukebayi ce que je souffrir moi c'est Mukebayi tongo pokwa za na prison ba transport tongo pokwa il faut que na prison bana Mukebayi baose le Mukebayi na pale bana mikie o bazagi na poko so papa ye bayambie bazomo na Mukebayi te tamu susu bana mikie na batu na mama ou un autre papa mama bandolela mama zangi reposa o pesa
yango bitumba otozo bunda tozala mayele soko za na plateau ko insulter te loba makambo yozo constater utiliser voie démocratique o ba pesi biso na nenga malamu mais soko utiliser na nenga babe sori ya mwana allez likamo muke bayi pa nina événement ni muso yaki après wana je ne sais pas soki Fayulu après Fayulu à sa déclaration a boye kokota na ko participer na ba élection ale tozu yango toke nango ti nandenge makambo ya balèvement oyo eye ba kidnapping tango eye mbala moko ale tobosani nyonso na minute partout na ba TikTok na ba réseaux nyonso ezaka kidnapping ba komba ba garçon ba nani na ba fille wana mosusu ki big boy mosusu ki kaba nyonso wana ba komba na sikonde zo cartonné. Et puis ce que j'ai dit, ba kongole balanda bangote, même ndenge tozo finga bakabakaba to lobie bazaboye bokena bango boboma bango tout ça nyonso wana lelo so kabakaba wana bimili banda awa kongola ko bosa na mabe ya salaki kongole so ka kabakaba bimi alobino na bimi, babimi si o soit akimi abimi ou bien par mesure de grâce présidentielle abimi jour mususu apostilé alobino na tiki na makamona na apostilé na kote na politique. Soka sali mo mbeba moko bali ba tracasser oh acharnement famine batelemi c'est ça les congolais babosa ne mabenyo so na régime à Kabila ezana bato baboma batu chebeya zate chebeya lelo famia chebeya congolais le bela sur le solo nate oh nani rossi chimanga azate rose kapangala azate ba congolais abeta sur masola bangote bakufa bamikende la bongo filme sila. Film ici là. C'est ça les Congolais. Congolais bosanaka. Kaka garçon wana o kabakaba ndoki babo maye soka bimi awa ki azumo l'art quelque part. Ba musicien congolais ba koyemba kabakaba. Ba Didier ba ko lancer kabakaba. Congolais akobete la kabakaba maboko. Congolais bosanaka, nous sommes des amnésiques. Osomona. Yango mo na sujet oyo. Na sujet oyo. Union européenne a levé ba sanction na ye contre Kalev Mouton, na Emmanuel Ramazani Shadari, ba levé ba mesure na bangwana. Tandis que ba sanctionna bango Union européenne apprenant ki ba sanctionna contre à peu près 9 dignitaires ya régime ya Kabila na 2017, je crois c'était au mois de mai 2017. Pour ba sanctionna ces 9 dignitaires là, ya régime ya Kabila. Alors, raison, et le connaissant le Belasco, il y a raison, motivation, il y a Union européenne. Parce que le temps où tu as évoqué question, le Congolais n'a pas tout à FCC. Tant que tu as présenté la situation actuelle, il y a politique, il y a Mboka na biso, c'est comme si ça n'a jamais existé na Mboko depuis que la RDC est un État. C'est comme si cette situation politique, ou bien un mois impasse oyo tout ça on dirait etikala ko existait on dirait ba interpellation au bazo sala ba opposant ba quelques hommes politiques tout ça na ba journalistes mal intentionnés on dirait que namboko etikala sala matin on dirait que quand Kabila était au pouvoir tout allait bien donc ba tikala ko interpeller mutu mokote tout ça c'est comme ça que ces gens là ba tu ya FCC baza ko présenter biso makamboyo. Si qu'on a zongi na motivation ya Union européenne. Question na zo tuna Shadari parce que bangonde bazoloba mingi contre régime ya Félix. Balobi situation otoza nango eza inédite. Ça n'a jamais existé en RDC. Totikala komi retrouver na impasse ya boité. Question na zo tuna Shadari. Question na zo tuna Nemi Mulani. Question nazo tuna Obe Minaku. Question nazo tuna Ferdinand Kambere. Pourquoi l'Union européenne avait pris ces sanctions contre vous? Quelle était sa motivation? Pourquoi l'Union européenne avait pris ces sanctions-là contre vous? Pourquoi? Si vous pouvez me répondre, même Bato Baza, Batunabino, Balobelabino, tout ça, je sais qu'ils sont là. S'ils peuvent me répondre à votre place.
Pourquoi l'Union européenne avait pris ces sanctions contre vous, contre Chadari, contre tous ces gens-là, ces unitaires-là, du régime Kabila? Pourquoi? N'est-ce pas parce qu'ils étaient responsables des violences et de l'impasse qui sévissait avant les élections de 2018 dans ce pays? C'était pas ça la motivation de l'Union européenne? Pourquoi l'Union européenne avait pris ces sanctions? Parce que les lots, quand vous nous présentez la situation politique de notre pays, c'est comme si ça n'a jamais existé, c'est comme si ça s'est dégradé. Bon, si ça s'est dégradé, pourquoi alors l'Union européenne n'a pas pris les mêmes sanctions contre les dignitaires du régime Tshisekedi? Alors, il faut ce qu'au total, sauf qui s'est dégradé. Violence, il y a ba liberté, na ba droit, na biso. Ce qui est commis vraiment plus grave que Oye Salima qui n'attend Kabila. Pourquoi les lois Union européenne et ont ba sanctionné contre ba dignitaire, ya régime, ya Tshisekedi? Pourquoi kaka ba sanction ba zwa ki yango kaka contre ba dignitaire, ya régime, ya Kabila? C'est parce que c'était assez. C'est plus que ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que Natawana va demander y a asile dans le pays moussous sur Europe? Est-ce que va n'accompagner le bango? Non, va n'accompagner le bango. T'es asile. Pourquoi? Parce que le pays où on a net espace y a espace Schengen. Baba n'a quoi estimé que na Congo droit de l'homme est déjà violé. Les droits et libertés individuelles ne sont pas respectés. C'est comme ça que Babana a accordé Bango vite asile. Pourquoi? Parce que le pays est insupportable. Mais aujourd'hui, si vous avez asile dans le pays Mokobo et l'espace Schengen, on vous dit non. On vous dit non. Vous avez un démocrate au pouvoir. Il ne vous tracasse pas. Il ne vous menace pas. Vous êtes à l'aise là-bas chez vous. Vous n'avez pas le droit de fuir le pays. Parce que nous avons un Chadari qui est là-bas, qui outrage votre président, qui insulte votre président. Et il n'a jamais été tracassé. Il n'a jamais été interpellé parce qu'il a outragé les chefs de l'État. Il y en a beaucoup qui le font. Alors on ne vous accorde pas l'asile chez nous. Pourquoi? Parce que nous estimons que votre pays, pour le moment, ça va. Les droits et libertés fondamentaux des individus sont respectés. Alors vous pouvez rester chez vous. Sous ce régime de Tshisekedi, on n'accorde pas asile à n'importe qui. Non, tu ne peux pas te réveiller aujourd'hui pour aller solliciter asile aujourd'hui. Non, on vous dit non, restez chez vous. Parce que ça va maintenant. Vous insultez, vous faites tout ce que vous faites, mais vous êtes libre. Il y a un de Fatia répondre Bango na interview où il y a Salakina Tina Salama. J'ai beaucoup aimé Tshisekedi. Vous savez, ce type, j'aime bien qu'il parle. Moi, j'aime Tshisekedi. Je n'aime pas Tshisekedi quand il ne parle pas. Non. Je n'aime pas Tshisekedi quand il ne parle. Moi, j'aime Tshisekedi quand Tshisekedi s'adresse à la population. J'aime Tshisekedi comme ça. Quand il parle, non, j'adore. J'adore. Vous savez, je suivais cette interview du début jusqu'à la fin. Je ne faisais qu'applaudir, crier. Et à haute voix. Et à haute voix. Parce que je me sentais vraiment ragaillardi. Bravo, Mama Tina Salama, bravo. Quand il répondait à ces questions, là où j'étais vraiment ragaillardi, j'étais content, je ne faisais que crier, applaudir. Il a répondu avec beaucoup de sagesse et de franchise. Félix est honnête. Quand il parle, vous sentez que c'est son cœur qui parle, ce n'est pas sa bouche. Félix ne fait pas parler seulement la bouche, non. Félix, quand il parle, c'est le cœur qui parle. Ce n'est pas seulement sa bouche, Bayama. Ce n'est pas seulement sa bouche. On lui pose la question de savoir s'il est content de la justice ou des prestations des juges congolais. Mais il a dit ce qu'il pensait, ce que nous tous ici nous disons. Le chef de l'État l'a dit.
Et vous allez parfois les condamner pour dire non, mais c'est lui, le magistrat suprême, quand ça ne marche pas. Bon, quand ça ne marche pas, que voulez-vous qu'il fasse? Parce que tous les magistrats là, il y a des principes, il y a des lois, des lois, alias, je voulais parler des lois, il y a des lois qui régissent les conseils supérieurs de la magistrature. Il y en a qui peut devenir magistrat, qui peut exercer cette carrière de la magistrature. Qui peut devenir magistrat et comment exercer la magistrature? Il y a des lois qui régissent ces conseils supérieurs de la magistrature. Félix ne fait pas partie de ce conseil. C'est ça le problème. Tous ces magistrats que nous avons, il les a trouvés. Et les magistrats qui sont promus, les magistrats qui occupent les hautes juridictions, comme les cours pénales, comme la cour de cassation, les conseils d'État, comme la cour constitutionnelle, tous ces juges-là, tous ces magistrats-là qui occupent les hautes juridictions, que ce soit de l'ordre judiciaire, administratif, tout ça, ces juges-là n'ont pas commencé la carrière aujourd'hui. Ils ont mis du temps. Ils ont mis vraiment du temps. Ils sont expérimentés. C'est-à-dire que vous n'allez pas prendre un magistrat qui est recruté, qui vient d'être recruté aujourd'hui, nommé par l'ordonnance présidentielle, et directement vous l'envoyez à la cour de cassation. Non, non. On prend celui qui a mis plus de 20 ans. Celui qui sera promis. Mais ce n'est pas le magistrat qui est recruté aujourd'hui. C'est comme ça que ça se passe. Alors quand vous condamnez Tshisekedi, entre-temps, nous parlons de la séparation des pouvoirs. Et c'est ce qui nous caractérise en tant qu'un pays démocratique, la RDC. Félix est respectueux des principes et des règles. Ah oui. Ah oui. Alors, lui n'est pas magistrat. Même s'il est considéré comme magistrat suprême, c'est par rapport à la grâce présidentielle qui lui est accordée. C'est par rapport à cette grâce-là. Un condamné qui est condamné par n'importe quel juge de n'importe quelle juridiction, le chef de l'État, il a le pouvoir de lui accorder une grâce présidentielle. C'est par rapport à cette grâce présidentielle que le président de la République est considéré au regard de notre constitution comme magistrat suprême. Mais il n'a pas fait le droit. Il l'a reconnu dans son interview avec Mama Tina Salama. J'aime quand, lorsque Félix abordait cette question-là, et encore lorsqu'il a parlé de la nomination des gouverneurs. Oh oui, j'en avais abordé ici plusieurs fois. Je crois demain j'aurai une émission ici avec un avocat. Ça va tourner autour de cette question, autour de cette question-là. Est-ce faudrait-il que les gouverneurs soient nommés par les chefs de l'État ou qu'ils soient élus par leur population? Voilà. Mais moi, je suis pour tous les deux. Je suis contre ce système des assemblées provinciales. Je suis contre ces élections-là des gouverneurs au suffrage indirect. Nous pouvons choisir soit suffrage direct ou soit par nomination par les chefs de l'État. Oui. En vertu du principe de parallélisme des formes et des compétences, le gouverneur, c'est son représentant. Le gouverneur est un représentant du chef de l'État au niveau de la province. Tu me représentes, mais entre-temps, tu es élu par l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale qui n'est même pas une institution dans l'exécutif, mais une institution dans le législatif. Une institution à part. Cette institution à part-là élue le gouverneur qui représente le chef de l'État qui est membre d'exécutif.
Vous voyez comment les constituants avaient compliqué les choses. Ces gouverneurs-là, le chef de l'État entend de lui beaucoup de choses. Parfois, il se repose sur son lit. On l'appelle pour lui dire que ton gouverneur-là a été défenestré par l'Assemblée provinciale. Vous avez un projet de gouverneur, vous traitez déjà ma solo. Subitement, il y a des choix. Parce que l'Assemblée provinciale, il y a un Makambonini, chef de l'État, à solo, il y a un gouverneur. En tant que représentant de la province, l'Assemblée provinciale, les députés provinciaux, ils ont ceux qui sont sur la ceux qui sont en plan, ils ont évité. Subitement, ils ont déchoirié par une motion. Ils ont été accueillis. Le chef de l'État, il n'y a pas de téléphone sonné, il n'y a pas de téléphone sonné, l'Assemblée provinciale est déchoirée. Oh! Ils ont déchoirié, mais le projet n'est pas en train de s'inviter, il n'y a pas de vraiment de déchoirée. C'est le chef de l'État a consigné à qui nous gobenga les sous, bah député provinciaux pour appeler ces bango bah injonction, yé azana exécutif, bah député bazana législatif, bon ce qu'on yé à qui nous copie ces bango dictat n'engenini. Vous voyez, ça devient compliqué. C'est comme ça que ngai na zakapour, soit bah gouverneur bazala élu directement la population, ou soit bazala nommé tout simplement par le chef de l'État. J'ai applaudi tant que le chef de l'État a déploré le système dans le comportement des députés provinciaux. L'Assemblée est là. Je suis proposé tout ça. En tant que scientifique, je proposé j'avais proposé ici. Mais maintenant, là, je corrobore la thèse du président de la République. Les gouverneurs doivent être nommés par le président de la République. Félix a Okende. A tika na manda moko a Okende. Tant que le bien on te kapo na yete. A le bien on même après. Parce que, na minute wazana, il est aux affaires. Azo mouna suko ba difficulté. Azo vivre suko makambo na minute ouyo. Alors, ako lingate, ke ba ou bako ya na simanae, ba vivre les mêmes difficultés wana. Donc, il faut corriger yango. Pourtant, ba ou bako ya, bako ta déjà, nzele eza déjà raboté. C'est ça le développement de notre pays. Bandaka ka régionalisme yo, ba pesa biso yango. Bandaka ka décentralisation yo, ba pesa biso yango. Bandaka ba institution classique déjà installée na niveau ba province. Boy bisangai, province nini yango bomoni déjà s'est développé bien. Ezaka ba système ya défenestration, ba motion, corruption, il faut ba gouverneur ba tchaka ba la ba pesa ba député ba mbongo pour ba fanda ba umela. Si ce n'est pas le cas, va défenestrer Mbalamoko. Donc j'appuie ça. Alors, pour nous silisa na zongi na masolo na ngai ya Shadari pour nous silisa. Parce que na mbia komo signaler nga déjà que moi ta ekeyi. Bande que ba radio bobenga biso na 82 42 47 635 082 42 47 635 097 00 44 671 097 00 44 600 71. Donc, tu as FCC, basan a droit y a condamné régime y a Félix, parce que preuve y a ngoyo, bas sanction oyo y banda ko peser le colon na bango, bas pesa ki bango bas sanction na pona nini, parce que basala ki bas responsable y a bas violence y a bas droit na bas liberté y a bas congolais, pe pona impasse politique oyo ezalaki avant ba élection 2018 nous étions dans une impasse terrible dans ce pays trou ya kobimela ezalaki te baké na dialogue ya kodo esimbité Saint Sylvestre ba violé yango bazu ba débauché ba tunaka cha opposition ba tibala bala bazu ba sami badibanga bazu Roger Lumbala bazu ba nani vena ngayo nani ya vena ngao mutekse nani oya ya kwafira likolo nani olenga nkoi bazu bango nyoso na badebosha batwana na opposition mbalamoko bao bazaki prévu oyo opposition linga ki a proposé bacha bango pembeni bazuka ba marionette na bango papa lelo tibala mi retrouver na FCC alongwe na opposition a ken FCC parce que badebosha ki mais lelo tana zomona batu ya FCC bazo beta masola debouchage. Bah tu FCC, bah tu mets ta masolo ya 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 ya
y a ba violence, y a impasse politique. Bah tu sais, bah zombie tamasolo y a ba dérapage électoral. Mais je comprends pas. Je comprends pas. Est-ce que bateau vraiment? Non, mais ils sont sans scrupules. Franchement, ils sont vraiment sans scrupules. Ils sont sans scrupules. Si c'était moi, bah question à la zone. Pourquoi ces gens étaient sanctionnés par l'Union européenne? Bah sanctionnés par quoi? Parce que bah il va qui soit basala qui non bah sanctionné et belé bah sanctionné qui bah parce que basala qui bah responsable il y a bah violence il y a bah donc il y a bah droit na bah liberté il y a bah congolais et puis bah responsable il y a impasse politique, c'est-à-dire cercle, les cercles étaient fermés, ni Union européenne abandonne côté ni MONUSCO azaki na place au côté là. Ba bengana na ba envoyé mususu ya Nations Unies awa nyoso na boye donc bazaki bazo collaborer té toutes les portes étaient hermétiquement fermées donc ba kangi biso pena na cage ba congolais ba kangi biso na cage toko bimaté toko sa le côté ba connexion bazo kata biso connexion pamba ba marche réprimé ba Rossi Mukendi bazo kufwa nani Rossi Chimanga bazo kufwa Rossi Kapangala koto ba chebe donc ba tcha biso na cage. Mais le lot Félix Sao Salangote, tu as une connexion 24 heures sur 24 heures. Si tu publies Bolingi, si tu finis Bolingi, mais connexion est allée. Si tu as une Bolingi, à répondre à opposant dans l'interview. Alors, si tu as le droit de l'homme est violé. Mais le fait seulement que tu as Bazana Congo, Bazana est. Ah non, non, ce type vraiment. Ah non, Félix m'a fait plaisir. Le fait seulement. Il y a des gens qui ont violé le droit de Bango. Tout en état à RDC. Il y a des médias, des réseaux sociaux, des gens qui ont connexion. Le fait que les gens ont connexion. Le fait que les gens ont médias, ont tracassé. Le fait que les gens ont été dans le Congo, ils ont été dans le Vanda. Mais ça insinue que le droit de Bango est respecté. Il y a un dictateur. Et je n'ai même pas besoin de recommander dictateur dans beaucoup de Waneza réponse ya Félix Antoine Tshisekedi pour la consigne ça dans un format bino que Franck Diongo va m'aimer déjà na prison militaire ya Ndolo. Par là je vais répondre à mon vieux Zakle Baba Basoué. Maman Franck Diongo lela ki alubino papa na zobela Tshisekedi soki mona nanga kufi makilene ozali kolo na yo. Viens dans Zakle Baba Basoué, Félix a tiki Bible. Hey, parce que via Sengaki, Fati na debi, wana Baba Basoué. Fati tika Bible, Fati tika Bible, Fati politique Baba Kumba ka ona Bible te. Viens dans Zakle, Fati a tiki Bible. Fati a tiki Bible, viens dans Zakle, Fati a tiki Bible. Merci beaucoup. Jeno TV, Shana Kitoko. Imagine yo na monde nche balelango makasi. Jenor TV nangai balakini basepeli makasi. Ba diaspora bana Congo. Bosunga Jenor TV ekende liboso. Chana munene. Jenor TV chana munene. Imagine yo na monde nche balelango makasi. Jenor TV nangai bana Congo basepeli makasi bana kini. Chen oza pona bino. Pour nous, nous avons une image par-ci par-là. Nous avons ce qui est fort. Nous avons le Congo, le Poto, la diaspora. Vous abonnez à la chaîne Abino, Génère TV. Nous avons le Zati. Boki, Eza Génère TV. Vous abonnez massivement. Vous soutenir Génère TV. Vous soutenir Soussou. Banadia Dabiso, Franck Ojivadol, il est pour notre initiative. Génère TV.